Bon. Ah. Ouais, ça va. Petite pub. Et on va être parti. Voilà, j'espère que ça va aller. Salut, Tandar, comment vas-tu? Je vais essayer un truc. Bla. Ok. Hop. Voilà. Alors, est-ce que tu entends le son du ventilateur dans le micro? Petit réglage de la minute. Ah, faut que je prenne la manette. Ok. D'accord, bah du coup, ça devrait aller. Tout seul. Parce que là, j'ai sorti un petit peu l'artillerie lourde niveau ventilo, il fait chaud à mourir. Je n'en peux plus. Il reste 5 minutes avant le début de ce merveilleux. De ces merveilleux streams et potentiellement extrêmement court. Enfin, en tout cas, sur Pokémon. On va essayer de faire quelque chose de propre. Mais par contre, je. Voilà. Ah, par contre, j'ai le ventilo qui me souffle dessus. Et je vais essayer de pas avoir de cheveux dans la tronche. Ah, c'est de la merde! Ah là là, c'est de la merde! Voilà, normalement c'est bon. Je devrais arriver à survivre. Parce qu'il faudrait être concentré sur ce qu'on va faire. Éviter la bullette. Ok. Donc, bim le jeu, voilà. J'ai à peu près tout sous contrôle. Tout va bien. Petite intro mignonne pour nous dire tu vas te faire défoncer. Très bien. Ah, ils sont mignons, ces Pokémon, ils sont mignons. Tu l'as fait, Tandar, celui-là? Il y a un petit côté musique de Zelda quand même. Est-ce qu'on veut. Est-ce que ma manette fonctionne? Non. Alors. Hop. Voilà, là ça fonctionne. T'as fait la version argent, ok. Si j'ai choisi la version gold, c'est tout simplement parce que je l'avais fait bah, à sa sortie.
et que j'apprécie, enfin j'aime beaucoup Ho-Oh comme Pokémon. Du coup, c'est Topito. Alors, on va commencer tranquillou, hein. Là j'attends qu'il soit juste 20h sur mon ordi, comme ça je suis legit. Et la grande question, c'est quel Pokémon on va choisir au début. Ça va être compliqué. Bah, il y a qui? Il y a Lugia, Ho-Oh, les trois chiens. Je sais pas si on peut avoir les oiseaux. Ni même Mewtwo. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Déjà, si j'arrive à la ligue, je suis content. Moi, à mon avis, je vais perdre comme un caca. Ça dépend de pas mal de trucs. Allez, hop, c'est parti. Nouveau jeu. Mais quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 20h. Ah, c'est comme ça, donc... pouf, 8h. Ouais. Quoi? Il est 8h? Bah oui, il est 8h de la nuit. Combien de minutes? 0. Ouah, 0 minutes. Ouais. Première année, tu as un Pokémon de et tu n'as pas cette approche. Ok. C'est normal qu'il fasse nuit. Mais du coup, j'ai... Désolé de l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Ouais, ça va, je compte. Je suis Shen. Enchanté, Shen. On appelle le prof Pokémon. Non. 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 Humain et Pokémon vivent en parfaite harmonie. Ouais, certains jouent avec les Pokémon, d'autres font des combats avec eux, c'est cochon. Mais beaucoup, bref, voilà. Merci. Intro à rallonge. Les mystères planent toujours sur le sujet. C'est quoi ton nom? Je peux choisir quand même? Allez. Ah merde! Je peux mettre des minuscules. J'ai pas envie qu'il crie mon nom sans arrache. Tingu. Est-ce que tu es prêt? Non, pas vraiment. Joie et Péril, pavront ta route. Ouais, surtout Périne, je pense. Un monde de putain, tu vas casser les couilles, oui, bordel. Merci. La chronique Pokémon du professeur Chen. Non, c'est bon. Ah, c'est fini, pouf. Sauvé. Non, arrête, j'ai fait de bêtises, arrête. J'ai pas voulu, j'ai mis ce clic, arrête. Mais putain, arrête. la télévision. C'est la télé. Merci. Ah bah merci. Une collection de livres d'images Pokémon. Voilà. C'est la carte. Bon, bah du coup, embarque la carte, mec. Mais non, mais c'est ta carte, prends-la avec. Une potion à mon PC, ouais, c'est pas con. Non, il n'y a pas de potion dans mon PC. Bon, tant pis. Maman, je veux devenir maître Pokémon. Tu vas venir dans 10 minutes en pleurant, qu'est-ce que c'est? Notre voisin, le professeur Orme, te cherchait. Il voulait que tu fasses quelque chose pour lui. Oh, j'allais oublier. Ton matos Pokémon est revenu de chez le réparateur. Ah bah oui, parce que je m'étais déjà pris une branlée avant. Pokématos. C'est primordial si tu veux devenir un bon dresseur. Oh, le jour de la semaine n'est pas paramétré. N'oublie pas ça. Merde, j'ai mis dimanche. Non, on n'est pas dimanche. On est vendredi. Changement d'heure active. Non, on s'en fout. Oui, il est 8h. Oui, reviens à la maison pour le changement d'heure. Bah, pas de soucis. Sais-tu comment utiliser le téléphone? Bah, oui.
C'est pas trop... Non, ça va, merci. Allez, le frigo, voyons voir ce qui se trame dans le frigo. De l'eau fraîche et de la bonne limonade. Ah, ça, c'est le genre de truc qui rend débile. File-moi de la limonade. Évitez les rhumes, blablabla. D'abord, ah bon, très bien. Du coup, les boutons. Sac, Pokématos. Non, je vois plus personne, je m'en fous. Sac. J'ai que dalle. On va sauver la partie. Et vous sauvegardez la partie. Oui. Sauvegarde, ne pas éteindre. Bon, l'avantage, c'est que on a la partie en main, c'est très bien. Yo, Xingu! Il paraît que le prof a découvert de nouveaux Pokémon. Ok, on s'en fout. Bourgeon. Bourgeon. Mais ça, on s'en fout. Bourgeon, c'est merdique. Maison du prof. Ah bah voilà. Bah, il vit dans une cahute, c'est dégueulasse. Et il n'y a pas de chambre, il dort où? Quand je serai grand, j'aiderai mon papa. Je m'en fous. C'est possible qu'elle soit dans une version extérieure. Ultérieure. Salut, toi. Pikachu est un Pokémon. Bon, bref. Ouais. Ah ouais, c'est trop bien. C'est mon idole. Je crois que je l'aime. Bref. Ah bah voilà. Salut, sale fion de rival à la con. Oh, mais qu'est-ce que tu mates? Oh là là, la violence. C'est gratuit. Salut, professeur Horn. Non. On appelle Monsieur Pokémon. Il découvre sans cesse des choses. Waouh. Oui, je vais m'en occuper. Alors, le premier c'est Germignon, le deuxième c'est Hérissambre, et le troisième... Ah non, comment ça? Non, je veux pas. Non. Ouais, clairement. Attends, il y a sans doute un Pokémon dans la poubelle. Merde. Du coup, est-ce que je prends Hérissambre? Hérissambre ou le croco, je sais plus comment. Fais le bon choix. L'appartement est très important. Oui, je sais, mec. Je pense que je vais quand même. J'aimerais bien prendre Hérissambre parce que j'ai des affinités avec les Pokémon. Pokémon Feu, personnellement. Mais je pense que je vais prendre. Calinus. Allez. Boum. C'est un très bon Pokémon! Oh yeah! Tu vas voir les autres aussi, monsieur. Alors oui, on est toujours dans le Pokémon. Comment on appelle Caïminus? Un Caïminus mâle. J'espère que ça lui portera pas la poisse. Croque-mou. Voilà. En espérant que Croque-mou ne meure pas dès le premier combat. C'est à deux pas d'ici, oui! Ah, fantastique! Non, Odin, ce sera un Pokémon un peu plus balèze. Ah bah tiens, numéro de téléphone du Pokémon, du professeur. Non, arrête! Merci! Ah oui, une potion. Ah oui, je comprends. Il y a tellement de trucs à faire. Allez, une petite sauvegarde, histoire de pas mourir comme un cucard. Ah, j'ai pas fait de compteur de mort. Parce que je pense que on va pas arrêter en si bon chemin. On va considérer que... Route 29. Village grec. Okay. Salut gros, tu te bats? Ok, Pokémon, tu peux le dire. Eh merde. C'est le début des emmerdes. Un ou toutes. Un ou toutes niveau 2. Ah merde, c'est le premier que je vois. Ah, je peux pas le capturer. Mais j'ai pas de Pokéball. Ah. Est-ce qu'on considère que ça compte ou pas?
griffes, quoi. Waouh, on va s'amuser. Donc, petit rappel des règles du Nuzlocke Challenge. Si ton Pokémon meurt, ton Pokémon est considéré comme mort, et du coup, soit tu le relâches, soit tu fais une boîte spéciale cimetière dans ton ordinateur. Et tu ne peux capturer que le premier Pokémon que tu rencontres, et ce uniquement dans une nouvelle zone. C'est-à-dire que si tu... Là, par exemple... Bon, mais j'ai pas encore de Pokéball, donc c'est pas du jeu. Bon, je peux pas encore les capturer, donc je pense que ça me... Je sais pas si ça compte ou pas dans le Nuzlocke. Bon, on va dire que ça compte pas. Voilà. Donc je ne peux capturer que le premier Pokémon que je croise. Dans une... Et seulement dans une nouvelle... Dans une... Pardon, nouvelle zone. Je vais quand même rajouter une petite règle à cette dernière règle, en fait. C'est que si le Pokémon a déjà été capturé... Capturé, hein, je précise bien. Je peux capturer un Pokémon. Ça, c'est pour éviter d'avoir une armée de loot. Ah, mais c'est pas grave. Allez, Zubli. C'est reparti. Ah, tata. Niveau 4, la bestiole. Mimikyu. Une armée de Rattata. Mais Rattata est... Enfin, Rattatak plutôt, a de quoi quand même faire 2-3 trucs. Hein. Faut pas... Je vais me prendre une charge et je vais mourir. Non, parce que bon, je me connais assez. Il aurait fait critique, j'étais mort. Oui, niveau 6, bravo, Croco. Attends. Ouais, alors on va prendre le 5. Oh, parce que. Salut, gros, y'a des baies là. C'est un arbre à fruits. Et c'est une baie, obtenue baie. Ah oui, putain, puis en plus il y a ça. Oh là là, c'est fou. Salut, vieil homme. Toi, là, t'as un petit jeune de chez toi, ça. Tada. Vas-y. Bon, alors j'ai un petit vieux qui me fait faire le tour du village. Fantastique. Ça, c'est un chemin. Ça, c'est de l'eau. Bon, l'avantage, c'est que je vais pouvoir capturer des Pokémon aquatiques dans les villages. Ça, c'est une maison. Et là, c'est chez moi. Ah oui, donne-moi un cadeau. Une carte. Ouais. Une carte. Oui, je vais en avoir besoin, papy. Du coup, professeur Buglan. Salut, Dupont. Merci. Ouais, les Pokémon évoluent, mais voyons. Qu'est-ce que tu dis là? Alors, je vais aller au shop. Est-ce que j'ai des sous? Bienvenue, achetez. Ah oui, j'ai des sous. Oh.
Ouais, alors on va déjà en prendre 10, ce sera bien assez. Non. 4. Alors voilà. Ensuite, le truc de merde qui a besoin absolument. Voilà. Je vais mettre ça. Merci, Tondar. Mais évite le backseat quand même. C'est plus des questions rhétoriques en fait. Moi je n'étais qu'un mieux. En fait, c'est Sacha. Hein. Mais je peux pas, monsieur. Je peux pas, je fais un Nuzlocke challenge. Ouais. Pas de soucis, pas de soucis, mais on va y aller mollo sur. Il y a encore quelques travaux. Sur les backseats divers et variés. Allez, allons-y gaiement. Moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. Bon, à part ça, il y a vraiment pas, il est vraiment pas là, machin. C'est très con. Eh oh. Bon, bah, du coup, je vais aller à la route 30. C'est bien. Ah mais je peux pas acheter de Pokéball, hein. Je vais pas. Hop là. Salut gars. Merci. Hey, c'est une baie. Est-ce que je peux leur faire tenir des baies au Pokémon? Est-ce que c'est dans les suivants? Pokémon. Ah mais t'as déjà un objet mon petit poulet. C'est quoi? Ah mais... Non mais attends. Objet. Oui. Tiens mon grand. Voilà. Bah, il est où machin? Fait mal le ratata. Chez Monsieur Pokémon, c'est tout droit, on y va. Ah. 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 Ah non! J'y ai cru. Oh, Mimigal. Niveau 3. Griffe. C'est dégueulasse, Mimiga. Tout fruity. Ouais, niveau 7. Ouais, frénésie. Salut. Un 9 mystère. Oh merde, je me tape un 9. Ouais, cet œuf. Ouais.
Salut, chef. Bla 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 bla. C'est une encyclopédie moderne, vas-y, fais péter. Il y a déjà tout dedans, mais il faut que tu trouves quand même. Ok. Mais Pokémon, mais comment tu veux que j'en ai plusieurs, boulet? C'est quoi ce truc là bizarre? Il y a un seul bizarre, bien sûr. Attention. Allô? Jean-Roger! Reviens vite! C'était utile comme coup de téléphone, hein. Ça fout pas du tout le stress, tout va bien. C'est un arbre et une baie antidote! Ah oh, bah c'est trop bien. Ouf, ouf! Ah mais j'aime pas ces longs passages d'herbe. Bien. Ah, mais il n'y a pas un chemin pour passer le portail. Voilà, merci. Witch. Oups. Non, je veux pas me battre contre toi. Allez. Et évidemment, lui, il a Germignon. Ça va être sympa. Bim. Ouais, c'est bon. Tiens, prends-toi une bonne griffe dans la gueule, enfoiré. Graou, graou. C'est mon attaque qui baisse. Combat palpitant s'il en est. Eh, donne-moi des bifetons, gros. Très bien. Eh bien, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Très bien. Peux soigner mon Pokémon? Oui, j'aimerais bien, s'il vous plaît, madame. Ah, vos Pokémon sont en super forme après de passer au micro-ondes. C'est nickel. Pida, pida, pidada. Pida, 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 pida. Non, c'est de la boue. Alors, professeur Orme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet appel complètement estourbi? Un Pokémon a été volé. Oh merde, putain, il avait laissé des Pokéballs sur la table et quelqu'un l'a pris. Oh là là. Un jeune garnement aux longs cheveux. Bah oui, les mecs qui ont les cheveux longs. Racaille, racaille! Bah oui, forcément. Les mecs qui ont la casquette à l'envers, ça va, mais les cheveux longs. Ouais, j'ai compris ça. Il a dit qu'il s'appelait point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, moi. Comment on l'appelle?
On l'appelle pas, ça marche. Ah merde, il s'appelait Silver. Chiot. D'accord. Je croyais que si je mettais rien, il s'appelait pas. Enfin, il s'appelait rien du tout. Bon bah du coup, il s'appellera Silver. Un 9. Oh mon dieu, j'ai fait 4 mètres en arrière. Mais, c'est un 9. Oui. On peut faire une énorme omelette. Oui. Si c'est un vrai, si c'est... Oh mon dieu. Quoi? Le professeur Shorten t'a donné un Pokédex. C'est incredible. Je suis un vrai dresseur, Tomet. Je suis un futur maître. Oui, allons-y. L'arène la plus proche se trouve à Mauville. Ok. Oui, ça va être... Je vais suivre, oui. File-moi le Pokémon. Salaud. Allez, hop. Ah mais non! Tingu, utilise ceci dans ta quête de ton Pokédex. Ouais, les Pokémon! Ouais, je dois attraper les Pokémon! Lancez Pokémon! Maman, je me suis fait maraver la gueule par quelqu'un, mais c'était cool. Ah merde, t'es pas ma mère, toi. Maman! Je suis un aventurier. Vas-y, économise pour moi, maman. C'est plus que sur les amis, il faut les amis aussi. Quoi? C'est quoi cette merde? Bref. C'est parti. Le jeu commence, je peux capturer des Pokémon. Pokédex 1. Je sais pas si on va y aller. Alors, là, j'ai pas capturé de Pokémon, tout va bien. Mais est-ce que mon Kaiminus compte commun? Allez, mon Kaiminus compte commun. C'est parti. Ah, attention. Hé, hey, toi. Je te connais, toi. Non, ça va. Ouais, c'est comme dans Pokémon Go. C'est bon, pourquoi pas. Tu peux. Est-ce que tu. Ah, tu veux me montrer comment tu. Ouais, vas-y. J'espère que tu me donnes un truc après, parce que les didacticiels merdiques qui donnent rien du tout, ça me fait vraiment. Voilà. Ah mon dieu! Un ratata sauvage apparaît! Vas-y, c'est bon. Tu vas dans le sac, tu libères une Pokémon à la gueule. Ok. Copain, utilise Pokéball. Ah bon. Mais t'es pas mon pote. T'es un connard rencontré sur une route. Et hop, Ratata est rattrapé. Ça donne envie, hein. Merci, mec. Bah oui. Alors, attention, c'est parti. Et je vais avoir droit à... Out. Très bien. Out niveau 2. Ne le tue pas. Ouais, Out lance charge. Pokéballche. Allez, Out. Toi et moi, on est potes pour la vie. Merde. C'est pas un très bon Pokémon en fait, Out. Mais le truc, c'est que c'est un Pokémon vol. Et du coup. Bah oui, j'ai donné un son. Et du coup, c'est un Pokémon qui va m'être utile pour justement la compétence vol. Comment je t'appelle Birdie. Ouais, en plus, c'est une fille. Birdie. Alors, on va mettre Birdie. Ouais, trop bien. Par contre, du coup, t'es niveau 2, c'est un peu l'angoisse. Alors, est-ce que je peux soigner mes Pokémon? Oui, je peux aller soigner mes Pokémon.
Ok, on va essayer de te faire un peu leveloper. Bah, je suis un peu obligé hein, d'avoir un esclave ACS. Mais merde, c'est pas grave, je suis bête. Dans tous les Pokémon, le problème c'est que. On est obligé d'avoir un truc comme ça, quoi. Monsieur, je veux soigner mes Pokémon, oui. Ouais, j'en ai deux! T'es obligé sinon t'en lances pas. Et c'est super relou parce que du coup. C'est vraiment super difficile parce que du coup en challenge, si tu les perds, tu l'as un peu dans le film. Out, out. Niveau 3. Alors. Stratégie Pokémon, hop. Change. Croque-mou à l'attaque! Bim. Ça va, je devrais survivre. On va tirer, on va tirer. Agro, agro! Refroidissez. Ah merde! Je pensais qu'il allait y passer. Ça rate. Hein. Le mode griffe. Ouais! Ouais, croque-moi tes mots de vie. Est-ce que je peux avoir encore une baie? Monsieur des baies? De toute façon, je crois que je vais me taper un ratata droit après. Donc. Croque-mou, protège ton ami! Ça va être la mort, la Pokémon niveau 2 à monter. Ouais, Birdie monte niveau 3. Ça va être long. Ah, une Pokéball. J'ai trouvé une potion. Aïe. Il y a quoi au fait qu'on m'attaque, machin? Rugissement et charge. Il mange quand la baie? Graouh! Mais cela n'a pas marché. En même temps, on parle d'un hibou qui essaie d'intimider un crocodile. Je pense que ça va. Alors, là, il n'y a pas de soin. Est-ce que je peux avoir un truc? Alors, on va les soigner. Bonsoir. Bah oui, allons-y. Est-ce que je... Ouais, j'ai quand même farmé un peu pour permettre à Outroot d'évoluer. Enfin, à Bobby. Mais je suis pas rassuré à faire
Waouh, waouh, waouh. Attaque de Birdie qui est bien. Ah. Ah, j'ai fait un coup critique. Ouais, bon. Non, parce que si je touche pas le Pokémon adverse, ça va pas le faire. Surtout que de mémoire, l'évolution de Hoot-Hoot apprend des attaques psy qui sont loin d'être mauvaises. Donc du coup... Attaque spéciale 8, défense spéciale 9, vitesse n'est pas. Ça me va bien. Bon, je vais essayer d'attraper un troisième Pokémon. Bonsoir, bienvenue. Oh oui, soignez-les. Allez, un petit coup micro-ondes, paf, c'est tout bon. Allez, hop, des Pokéballs pour éviter de me retrouver comme un couillon. Pokéball! C'est beaucoup. Ah, j'en ai pas besoin d'un million, donc... Non! Hé, toi, tu me donnes un truc? Oh là là! Oh là là! Ouais, c'est ce que je vais faire. Très bien. Bon. Allez, un schnippant. Attention. Fuck. Fuck. vas-y. Ah, mais il joue avant moi, ce salaud. 5 PV, très bien. Ça, ça baisse la défense. Très bien, je lui mets encore une charge. Pokéball. Allez, Ratata, viens à la maison. Que note. Ouais, c'est possible. Que note. C'est quelque note. C'est possible que ce soit à l'époque. Ouais, c'est vrai qu'il y a toute cette histoire de moments de la journée. J'aurais peut-être dû faire un Nuzlocke sur rouge ou bleu. Très bien, mon équipe est composée de Pokémon extrêmement brillants. Mon dieu. Un objet du sac peut être enregistré comme fonction select. Cela dit, je trouve que je... Ça va, c'est des Pokémon basiques. Là, je pourrais...
choper un Pokémon aquatique dans le village. Donc, c'est juste qu'on avait vu une Mimigale, ouais. Merde, Mimigale, c'est pas un bon Pokémon. Enfin, un bon Pokémon. Ils sont pas mauvais, mais... c'est pas des briques non plus. Mais j'aimerais que mes Pokémon soient capables de se débrouiller un peu tout seul. Alors... Birdie, enfin, ouais, Birdie, c'est pas du tout un Pokémon offensif en attaque, quoi. Pougretti, ouais! Continue avec les Mimikyu, je switch. Ouais, mais attends, non, ils ont envie de switcher. Je switch maintenant sur Croc-Mou. Du coup, tes Mimikyu, tu te le carres bien, voilà. Paf, griff. Et bingo. Route 30. Mais sérieusement, un Magikarp level 5, c'est parfait. C'est ça me dérange absolument pas. Je préfère avoir un Magikarp level 5 que de me taper un poids sirène à la con. Parce qu'au moins Magikarp il devient Léviator. Poids sirène il devient poisson roi. C'est compliqué. Ouh putain! Bah quoi que moi j'ai. Je sais plus à quel niveau évolue Rattata en Rattatak. Mais je sais que les Rattatak, je crois qu'ils ont Croc de mort. Ça, c'est une attaque qui va vraiment me faire chier. Oui, oui, oui. Est-ce que je peux aller soigner mes Pokémon chez l'autre machin, hein? Bah, le problème de Petit Tar, en fait, c'est que si je chope un Petit Tar, je peux pas avoir un Tartar. Puisque Tetar t'évolue que en échange. Oh, coup critique. GG. Donc Petit Tar me servira pas énormément. Mais oui, pourquoi je dis ça, là? Mais monsieur, vous... Mais pourquoi vous avez rien pour soigner un Pokémon? Je viens juste chez vous pour un tas de pièces bizarres. Tetar évolue avec une pierre haut. Il évolue pas par échange? Ça fait pas partie de ces Pokémon qui évoluent par échange? Ouais. Est-ce que t'as un voyou? Bon, toi pas, mais visiblement ton pote au-dessus, ça doit être un voyou. Dans le doute, on va quand même soigner mon Pokémon, mon main. Allez. Oh là là. Attends, tu as l'air faible. Merci mec. Ça me m'a droit au cœur. Au revoir, Rattata. À l'attaque.
Bah on va sortir Croque-Mou. Apprends un truc s'il te plaît. Allez, donne-moi ton fric. C'est ta raquette. Oh, putain, j'ai plus de thunes. Non. Gravalanche, Kadabra, Spectrum, Match. Ah oui, c'est Match Upper. Oui, non, alors t'as raison. Tétard, t'es volé avec une Pierrot. J'ai confondu avec ma chapeau. Broubou! Broubou! Haruku est niveau 2. Je suis niveau 5, je pense que je devrais pouvoir me le faire. Je devrais y aller. C'est juste. Et Porygon, un sécateur et Onyx. Ouais, on va. Bon, ça va aller. Évolue avec un objet en main. C'est juste. Oui, il faut quand même que Note prenne des niveaux. Ah, le salaud. Bon, il me reste 20 PV. Le niveau 4, pour l'instant, ça va. C'est pas très compliqué. Et bim! File-moi ton pognon. Foiré. Astuce, on ne vole pas les Pokémon des autres. Ah merde! Les Pokéballs sont faites pour attraper les Pokémon sauvages. Mais techniquement, si je le marave, je peux piquer la Pokéball. Birdie. Birdie, il est blessé. Bon, Croque-Mou aussi, on va prendre ça. Et il me semble que c'est dans cette version que Tétard a deux évolutions. Il y a Tartar et il y a le crapaud, là, j'ai oublié le nom. Oh, coup critique. Hop, on bouffe un petit peu, ça va bien. Bah, ce serait plus facile si j'étais un membre de la Team Rocket. Il me rendrait les Pokémon. Ouais, je vais jamais gagner plus. Allez. Sac. Une petite potion. Ouais, mais j'ai presque rien. Non, par contre, je vais prendre une baie maintenant. Pif. J'ai donné une baie. Hé, mademoiselle. Ah merde. Interrompu dans ma drague par une mimigale. Salon. Allez, Birdie. Ah putain, il va se faire. Elle va faire sécrétion si elle fait charge avec critique. Non, c'est vrai. Elle... Ouais, Tarpo, ouais. Mais c'est dans celui-là qu'il évolue en Tarpo ou c'est dans la version d'après? Parce que je dois bien admettre que je m'emmène un peu les pinceaux avec les différentes... Ah merde, c'est un dard venin qu'il a... Ouh, ça pue. Aïe. Ah merde. Je crois qu'il avait charge, pas dard venin. Croque-Mou, vite.
Toi, t'es pas empoisonné, mec. Tout ça pour ça, quoi. Tu veux que je te soigne? Bien. Non, ouais. Ah oui, merde. J'ai bien fait d'acheter des antidotes. Bon, je vais retourner me faire soigner. Oui, je crois que c'est une pierre soleil pour ta repos en passant. Attends que c'est ça. Mais j'arrive pas à me souvenir. J'arrive pas à me souvenir pour si c'est dans cette version-là ou si c'est d'après. Ouais, vos Pokémon sont en super forme. Top. Top, top, top. Bon, par contre, c'est reparti pour me faire chier. Hop. Bon, ratata, voilà. Je devrais arriver à gérer le truc, mais il fait mal en plus, ratata, bordel. J'aimerais bien qu'il attrape une attaque vol. La la la. Alors toi, je t'aime pas du tout. Bon, je suis à côté du Poké... du Poké machin. Du... centre Pokémon, je devrais y aller. Prends une attaque vol. Ouais. Oh non, putain. Enfin, quoique. Attention. 10 joues et capacité de baisse de précision. Ah ouais, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ouais, il apprend, mais je crois qu'il apprend, c'est quoi, la première cruelle ou un truc dans le genre. Après, effectivement, la plupart des autres Pokémon. Mais il en apprend. Mais il apprend des attaques psy. Aussi, et ça, c'est pas négligeable. Allez, buddy. Blaf. Bah, j'espère que je vais avoir un truc un peu cool. Deux coups critiques d'affilée. Vas-y. Bah quoi, madame? Ah bon. Ah, bon. Toi, t'es un chien première, viens là, vas-y. Tiens, t'es qui toi? Wesh gros. T'es le fils à qui, gros? Allez, viens là! Jean-Raoul Scout. Oh mon dieu. Oh, un chenipan! Un chenipan qui va faire sécrétion, sécrétion, sécrétion. Charge. Voilà. Mime, meurt pas, hein, mec. Ouais, 2 points de dégâts, même si critique, ça. GG.
Oui, j'aimerais que Kunot gagne quelques XP. Bilou. Par contre, on va pas laisser Kunot au cas où, si jamais. Un PV. Oh. Ouais. Attaque 10 que note. Hein. Ah, il fait mal. Le ratata fait mal. Mais t'es pas super gentil, toi. Et non, je m'en fous. Espèce de sac. À part que j'aimerais quand même bien. Ah, mais attends, je suis dans une autre. Alors, la ville, ça c'est bon. Je suis dans une autre zone, là. Ah, je peux capturer un Pokémon. Parfait. Je suis à route 31. Enfin, je crois que je suis à route 31. Non, c'est pas ça. J'ai ma localisation précise ou pas? Je suis à route 31, on est d'accord là. Hey, maman, je suis à route 31 ou pas? Ouais, je suis à route 31. Ok. Donc du coup, attention. Il ne s'est rien passé. Toi, t'es un voyou, pas? Entre-moi. Ah, mais j'ai pas flash. Par contre, je pourrais entrer dans le truc. Je sais pas quel niveau sont les Pokémon. Alors. Pokéball. Du coup, il y a quoi là? Quel Pokémon y a-t-il à route 31? Une BMR, très bien. Alors, je vais pas rentrer dans la grotte, je vais encore me faire one chip. Hein. Bah écoute, toi on va te taper. Ouais, faisons le combat, trop de bien. Trop de bien. Maxime Scout, Chenipan, niveau 2. Ouais. Birdie Go. Alors on va quand même faire Birdie. Ouais, ça c'est bon. Ouais, on sait. Je pense qu'il a deux Chenipans, deux Aspicaux. Ça semblerait assez logique. Mais alors, il y a 4 Chenipans. Bon, on va y aller avec ça. Bam! Ouais, tu fais autant de dégâts que... Comment ça? Il fait autant de dégâts que le outre. Ah non, il va avoir. Il va avoir que 4 chemins quand même. Oh, coucou tout. Ah, voilà l'aspicot. Non, je vais garder que ma vie. Allez! Aspicot du ventre. Oh là là! Allez, one shot, critique, c'est bon. Ah merde. Ah merde. Non, je vais changer parce que ça va être merde. Bah, croque-moi. Ouais, niveau 5.
Ah, j'ai perdu. Ouais, mais t'as empoisonné mon Pokémon. Salaud. Faudrait que je les soigne tous ces petits Pokémon. Alors, est-ce que par là il y a un chemin? Attention, c'est parti. Et je vais rencontrer un... Un Hoot-Hoot, j'ai déjà... J'ai déjà capturé, donc on peut passer par-dessus. J'ai pas envie de devoir changer de Pokémon. Birdie, tue-le. Oh putain. Birdie, te fais pas prier maintenant. Allez hop. Merci. Niveau 7 pour Birdie. Hop là. Là, la sauce. Route 31, Mauville, Vigrette. Ok. Salut, mecton. Salut, toi. Bon. Faire du heal avec ces petits gars. Hop. Voilà. Ensuite, je reviens en arrière, je capture mon Pokémon de la zone. Un jeune gamin, les a depuis détrôné. Je n'ai pas de Chéquiflore. Mais un Onix, ça me plaît bien. Oh non, mais j'ai déjà causé à toi. Allez, hop. Une heure qu'on joue, parfait. Parfait. Move ville. Ville au centre du passé. Okay. C'est quoi ça? Académie Pokémon. Chier. Arène de Move ville. Albert. Dresseur de Pokémon volant. Pokémon. Oula. Salut, t'es un dresseur. Oui. Non. Mais je veux pas, monsieur. Ah, arrête de faire des pirouettes. Mais ta vie, je m'en fous. Thank you.
Je sais que Hoot-Hoot peut, avec clairvoyance, taper un Pokémon de type spectre. Alors, on va re-sauver. Un chétifleur doit prendre l'eau. Ah merde, il faut que je passe au-dessus de toute façon. Ah, je vais rester là pour essayer de choper le premier Pokémon. Merde. Premier Pokémon que je... Enfin, je crois qu'il y a des Pokémon sauvages. Bon là, il y a des dresseurs à la con. Bon. Je suis pas rassuré quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, donc, voilà, hein, normal. Normal. Donc, tu vois mon problème quand je suis dans la tour à ce niveau-là. C'est pas... voilà, si j'aurais une attaque d'un type particulier, je serais un peu plus serein. Mais là, c'est un petit peu la cata. Ouais, je vais revenir quand j'aurai une attaque de type autre chose que normal, quand j'ai que des attaques normales. Celle-là, ça risque d'être compliqué. Donc, du coup, je vais aller chercher mon Pokémon. Attends, je vais... Ah merde, il me faut couper. Je vais chercher le Pokémon dans la zone qui est là. Toi, on s'est fighté déjà? Ouais. Toi, gros. Ah, mais toi, tu as fait plein de fou. Le gros numéro, j'ai trop marché. J'ai mal au pied, j'ai sauvé. Ah, bon. Ouais, j'ai eu ma belle machin. Toi, tu m'as dit qu'il y avait quelque chose. Alors, bon, on va chercher le Pokémon que je n'ai pas encore eu ici. Viens, apparais-moi, je ne sais pas quoi, Abra. Abra, dans le doute, allez. Non, mais j'ai déjà un total. Non, mais les gars, j'ai trois Pokémon, il faut arrêter de m'envoyer les mêmes chaque fois. Non, mais j'ai... Oh, 6 PV. T'es pas sérieux, mec. S'il fait 6 PV, il fait 12. Ok. Mais ça me sert. Ah non! Lordi, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas mal. Allez! J'ai soigné Bird. Quand même. Allez! Mais donnez-moi autre chose qu'un Outroot et un. Ah, mais il y a peut-être aussi moins de Pokémon par zone parce qu'il y a le jour et la nuit. Ça va être le combat du siècle, ça. Oh, non, mais ça va prendre 30 points. En même temps, si j'ai Fantominus, je vais pouvoir avoir un Ectoplasma. Donc ce serait presque dommage d'avoir un Fantominus. Non, je vais pas faire la quête des Arbis. Bah non, je peux pas faire la quête des Arbis. Vu qu'il faut que j'attrape tous les Arbis. C'est pas celle-là. Merde.
Il me semble que c'est ça, tu dois attraper un Zarbi de chaque... De chaque forme, non? Bien, niveau 10, Croque-Mou, très bien. 21 d'attaque, 18 de défense, ouais, il est bien. Il est minus, il est bien. Est-ce que... Je peux pas... Attends. Je sais plus, écoute. Je veux bien te dire que... En autre en stéréo. Par contre... Ouais, je sais bien. Je peux changer l'heure quelque part. Parce que sinon, ça va me faire chier. Ah là, la Mimigal. Pas tué, pas tué. Bien. Faut aller voir maman pour changer d'heure. Oh chien. Sac. Bon, bah j'aurai une Mimigal. C'est bien contre un champion d'arène de type vol. Super content. Mec blasé. Crashing. Comment on va appeler Mimigal? Comment elle s'appelle Ah, dans le Seigneur des Anneaux, comment elle s'appelle l'araignée? Ungolian, c'est ça? On l'appelait Ungol. Lis le reste de mon message parce que tu vas avoir une mauvaise surprise si tu vas voir maman. Changez-le. Ah oui, non, mais Arachné, oui. Ungolion, je me disais. Je compte sur toi, Arachné. On va écrire un peu stylé. Arachné. Une mauvaise surprise si tu vas voir maman. Ah oui, d'accord, oui, ok. Ouais, ouais, bah c'est du coup, c'est pas terrible en fait. Du coup, en fait, ma Mimigal a une attaque poison. Eh ouais. Eh ouais. Je me fais jamais un champion d'arène avec cette équipe, hein. Faut pas déconner. Bon bah je vais être obligé de former un peu. Non mais... Je crois que j'ai peut-être pas pris le meilleur jeu Pokémon pour faire un Nuzlocke. Ou bien alors je décide d'aller dans la grotte de nuit et d'essayer de pécho. Attends, on va voir ce que c'est. Ouais. Non. Trop sombre, trop sombre.
Bon, ce que je pourrais faire aussi, c'est bourrer croque-mou et avec frénésie, booster son attaque et essayer de passer sur tous les Pokémon volants, mais ça va être chaud. Parce que là, je crois que je suis en train quand même de faire un peu le con en essayant de booster Birdie parce qu'il ne va pas me servir grand chose. Par contre, si je booste croque-mou avec la frénésie et son fort, sa forte caractère d'attaque. S'il passe pas son temps à mourir parce qu'il est empoisonné, ça devrait aller. Ah oh merde, un Chétiflore, oh non, chier. Bon bah. Ah, oh, j'aurais pu l'échanger contre un Onix. Ah, oh. Ah, ça a piqué. Ah merde. Merde. Ah, vas-y, troll-moi. Foiré. Comme que je fasse gaffe, hein. Ouais, je suis d'accord, mais tu peux pas... C'est vraiment chaud de faire l'aventure qu'avec le Pokémon principal. Oui, on se m'en fout. Le bloc temporel. Ok. Si vous le dites, madame. Ouais, ça rend le jeu un peu chiant quand même. Pardon, je... Out en puissance, allez. Non mais dès que machin prend une attaque flotte, c'est bon, je vais faire la tour. J'essaie de choper un Pokémon. Un Pokémon dans la tour, et puis voilà. J'aimerais bien faire évoluer mon Rattata aussi. Oh mais ça fait tellement mal. Ah ah ça. Alors, ça me fait vraiment chier pour le Chétiflore, putain. Parce que le Onix,
Ça aurait été beau. Allez, une attaque au. Allez. Plus évoluer, enfin essayer d'évoluer avec des Pokémon qui sont... Oh là, bien. Bah, dans la tour chez Tiflor, ils ont quand même dit qu'il y avait pas mal de Pokémon Spectre. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Non mais arrêtez de me balancer des chez Tiflor, rendez-moi des Houtoutes. Ça va être long. Surtout qu'avec le nombre de chétifleurs qu'il y a dans le coin, je vais me servir. Bah écoute, au final, tous les Pokémon me vont. Ceux dans la tour me vont très bien. Et t'as que Fouéliat, mais t'as pas autre chose. Je sais pas, un bigotage, je sais pas. Bon, c'est vrai que j'étais pas venu le chercher là, le Pokémon. J'aurais pu, je suis bête. Ah! Ah, tata! Oh là là! Sérieusement, c'est pas vraiment une zone à farm intéressante, enfin agréable. Il y a des chétiflores et en plus il y a des minigames. Oh, visiblement, mon croque-mou est bien. Le poison, il s'en fout. Allez, encore un micro, XP. Allez, une attaque en plus. Ah oui, bien. Allez! Oh! Ah, bien. Ah, ben voilà, là on s'entend. Oui, Kaiminus évolue en niveau 16. Ah, mais je vais pas monter jusqu'au niveau 16 en farmant comme ça.
Non, mais j'aimerais juste qu'il attrape, enfin qu'il acquiert une attaque haute que normale. C'est tout, juste ça. Faut pas. En même temps, j'utilise griffe. Hein. C'est pas une attaque qui est. Non, mais je sais pas, il pourrait acquérir une morsure. Non, je crois qu'il acquiert une morsure quand il est en. Il évolue à la troisième forme. Qui est. Je sais plus. Alligature. Ouais, il a un bon taux de coup critique, c'est très bien. Allez, bon, niveau 13, il a point d'attaque, j'espère, je m'emmerde. Poison, rien à foutre. Qu'est-ce qu'il peut avoir, machin, comme Pokémon vol actuellement? Un Roucoule, un Roucoups. Ah, pistolet à eau, voilà. À nous deux. En même temps, je suis très con. Parce que s'il y a vraiment des chétifleurs dans la tour, elles seront pas niveau 3. Et mon croco va se faire one-shot. C'est surtout pistolet à eau, c'est ça, bien. Je vais mettre. Non, ça me sert à rien que je vais mettre. Bon, on y va, on verra bien. Je sauvegarde avant, comme ça au pire je reprends. J'ai pas peur. Si j'arrive à passer, on te... Oh yeah. Antipara. Ah merde, ça pue ça. Monsieur? Nous montons la guerre dans cette tour. Nous nous exprimons. Ouais, bref. Où nous exprimons une gratitude en un Pokémon. C'est quoi? C'est un moine, un psy, Quentin le sage. Ah, si. Je vais faire des frénésies parce que. Je suis feu furieux! Skawabunga! Non, ça va. 5 dégâts, ça va, c'est génial. Par contre, je me demande si je peux pas switcher avec les autres. Oui, je change de Pokémon. Ah,
quelques notes, vas-y. Allez, montez de niveau, hop. Cinq PV, je joue avant, je choque critique, parfait, enfin... Voilà. Bah non, je vais laisser celui-là. Vas-y, que note ! Tue-le ! Si je change, c'est toujours parce que s'il me fait un critique, je vais mourir. Ah, mais j'ai un petit cheveu qui te balade là. Donne-moi ton fric, gros. Non mais sérieux mec, vous avez que ça. Bon, vous êtes des moines et des scouts, mais quoi? C'est quoi, c'est... Bon alors toi... Hé, viens là. Hippolyte. J'ai du flair. Frenzy. Oui, je vais changer, je vais prendre Birdie, parce que comme il résiste à Fuelian, on est bien. Puis en plus, ça va faire monter le niveau à force. À coup d'un point de dégâts, je devrais y arriver, ça va aller. Ouais, Birdie! 10, 10, 11, 14, 15. Oh là là, c'est bien. Non, je vais garder Birdie. L'avantage de Birdie, c'est qu'il a une cheat PV. Oh! One shot, bon. Pas mal. Oui, tu es faible. Donne-moi ton fric. Alors, je vais aller. Soigner mes Pokémon et puis ensuite on va aller faire cette tour. Distinguer. Mais distinguer, c'est Fidron qui a déjà appelé un de ses Pokémon distingué. Merci, au revoir. Ah, attention. Attention. Oh, Fantominus, oui. Bah écoute. Bah distingue. Hop là. Oh non, le Pokémon s'est libéré. Ah bah merde. Les chouilles. Ah je suis ravi. Ouais, j'aurais pu l'appeler distingué, mais je peux. Il y a d'autres Pokémon.
Ah non, salaud! Ah, mais alors là, on va parler différemment. Yes! Bingo! Très bien. Bon, j'aurai jamais d'ectoplasma, mais au moins j'ai un Fantominus. Qui a hypnose? Alors, bah, du coup, on va l'appeler Casper. C'est pas très original. Casper. Merci. Bon. Ben. AP maintenant, il y en a plein partout. Très bien. Très, très bien. Ah merde, mais il dort ce con. Caïminus, réveille-toi! Je dors déjà, gros. Il me semble que les chouilles peuvent paralyser ou je sais plus faire quoi. Caïminus, faudrait te lever. Croque-mou, on se réveille. Merci. Tiens, oh putain, pistolero. Fiu. Twitch. Mais du coup. Non, j'appellerai un de mes Pokémon Fidrong à l'honneur de mon maître en stratégie. Il faut que je trouve un Pokémon un peu cool. Si par hasard il l'apprend, je vais me faire taper. Merci d'avoir attendu. Tes Pokémon sont en super forme. Bien, ben du coup. Ouais, il faut quand même que je le fasse un peu monter tous ces petits Pokémon. Est-ce que... Ce lourdo... Je pense qu'il me trucide. Eh, monsieur le vieux. Ah ouais, mais je t'ai déjà causé. Casse-toi, meurs, t'es vieux, meurs. Oh, ok. Eh, une baie antipara. J'ai un putain de cheveux qui m'emmerde. Tchoul. Alors attends. Je pense que je vais aller éteindre le ventilateur parce que je pense qu'on n'en a plus besoin. Route 32, Mouville et Corsia. Et là on a Gwyn d'Alpha en Trieste. Je pense qu'il va pas me laisser passer si j'ai pas le badge. Tu étudies les Gwyn d'Alpha. Ah non. Il y a des dessins sur le panneau. Ouais. Windalpha, un site touristique interactif. C'est bien. Ouais, ça me permettrait d'avoir un Pokémon peut-être roche, je sais pas. Windalpha, centre de recherche. La référence des Windalpha. Les Wind sont de vieilles. Oui, très bien. Merci. Sans doute, quel Pokémon de merde est-ce que je vais me taper? Pierre, ouais. Mystère, Chambre en panne. Bienvenue, mon jeune ami. Okay. Droit de figure, c'est fou.
What? Non, non, non! Merde. Il y a une étrange présence ici. Je vais faire une sauvegarde parce que je la sens pas. C'est la vie d'un seul Pokémon. Merci. C'est la vie d'un seul Pokémon. Ok, chill. Alors, attention, c'est le premier que je croise et ce sera... Putain de Pokémon de merde. Bah je vais quand même attraper ce Zarbi. Puissance cachée. Oh putain, c'est vrai que ça peut faire mal ça. Aïe. Alors. 7 points de vie, bon je lui fais une charge, normalement je devrais arriver à le mettre dans le jaune. Oh putain. Ouais, il était de perdre Birdie sur une connerie quand même. C'est une excellente question à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse. Puissance cachée. Si c'est super efficace, c'est pas du normal, donc ça me sert à rien. On va mettre au coup. Puis on va essayer d'attraper Zarbi comme ça. À moins que ce soit. Ok, donc ça doit être un truc haut, je pense. Plante, ça serait pas. Haut, ça serait pas non plus. Mais bref. Bah Zarbi, j'aimerais bien te faire un petit coup, mais là je te one shot. Yes. Je me fous du Zarbi. Mon Zarbi, il me fait penser à un TIE Fighter. Ah, je peux avoir ça. Oh oui, TIE Fighter. Le TIE Fighter, non. Clairement, mais alors clairement. En fait, c'est pas vraiment... Allez, fous-lui des patates. Scrooge. Ah, je le butais pas avec une... D'accord. Ouais, Zarbi, je le vire direct. Hein. Dès que j'ai un sixième Pokémon,
Je veux dire, au final, TIE Fighter... Mais oui, vas-y, mon grand, j'en ai... Oui, il y en a beaucoup. Ah bon, est-ce que je tente le l'arène? Je serais quand même assez tenté par l'arène. Là, il y a le mec qui va me faire chier. Ah merde! Je suis où là? Route 36. Je veux pas me battre, madame. Fais-moi la paix. Hé, Poppy! Je veux dire, si j'ai un petit champ de bataille, je déroule pour moi. Non, parce que. C'est en fonction de tes. Quel arbre? Pyramide. Bah, quel arbre? Comment c'est? J'ai rien. Non, c'est en fonction de tes. De tes IV. Si ça n'a pas changé. Parce que le premier faisait des attaques très efficaces contre. Enfin, faisait des attaques pas efficaces contre. Contre Croque-Mou, et le deuxième faisait rien. J'ai appelé mon coup de mousse de porc, quoi. Donc, très bien. Donc, c'est en fonction de tes IV, les. Non, merde, c'est pas ça. Oui. Bon, quoi, 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 quoi. Ben écoute, je pense que ça a pas changé en fait. Hein. Ben, je vois pas pourquoi ça aurait changé. Après. Parce que du coup, l'environnement. T'es sûr que les IV sont inconnus dans les versions or et argent? Parce que moi, je suis pas certain. Bon. Vas-y. Merci. Mais oui, je suis assez fort. Du coup, c'est pas puissance cachée, c'est pas l'environnement qui va. Ah, un piaf avec dégueulasse, niveau 9. Ouais. Mais Ah, il joue vraiment moi, ce salaud. Bah justement, contre Croque-Mou, le premier faisait des attaques pas efficaces, celui que j'ai capturé, et contre l'autre, enfin, il faisait des attaques normales. Donc c'est pas. Son spec, c'est très bien. Saper l'hippopote! Du coup, je vais essayer de faire monter. Qui est-ce que je vais faire monter? Je vais faire monter Casper. Il y en a que deux, je suis très déçu. Non, ils sont trois, non, avant le prof. Ellie, onirologue. Coucou! Niveau 7. Tête de Fantominus, on dirait un chauve qui s'énerve. Ben, on va rajouter. Croque-Mou. Ah, vas-y. Jette ça, ça me fait bien plaisir, tu vois.
Fiu. Ouais, Casper est au niveau 105. Croque-moi au niveau 14. Oh, il tape quand même. Oui, je vais changer. Casper, à toi. Je vais aller vérifier ça. Psy, spectre. Mais attends, il a jet sable et charge. Mais je m'en fous. Tiens, vas-y, je te fais une léchouille. Merde. Ah oui, c'est... oui, non, je suis bête. Ça va être intense, je pense. Mais pourquoi ça affecte pas? C'est une attaque psy, c'est pas une attaque... Pouvoir continuer longtemps comme ça, mec. Mais... ça ne l'affecte pas, mais... c'est une attaque psy, c'est parce que je rate, du coup. Bon, alors du coup, en fait, le... hypnose, ça marche pas... je sais pas, pas le dire. Bon, je vais switcher... mais ça m'embête parce qu'il va me diminuer ma précision. Ah, tu ne t'attendais pas à un switch. Bim. Et paf, voilà. Ah, mais je voulais pas... j'en voulais encore un. Ah oui, vérifier les attaques. La seule attaque de ce... puissance arrive suivant le Pokémon. Type normal. Voilà. Donc, voilà. C'est... voilà. Si j'ai rien à dire, c'est... nous ne sommes pas beaucoup plus avancés. Bon, ils ont des Pokémon 7-9. Sauvegarde, je devrais arriver à me le faire. Au pire, je sacrifie TIE Fighter. S'il faut vraiment. Je suis Albert, enchanté, je suis King. Bah écoute, bonhomme, je suis très content de faire ça, hein, ça me plaît beaucoup. Waouh, il veut se battre. Il envoie... Rokool. Ah merde, j'ai laissé Casper en premier. Bah, je vais essayer. Ah merde. Ok. Bah, on va partir sur... pas vraiment chaud. Hein. Pistoléo! Bon. Je pense que le mec a encore pas mal de chemin à faire avant de devenir maître Pokémon volant.
Et il va nous sortir quoi, hein? Bien, Casper. Recoups! Non. C'est sans doute le Recoups le plus bas niveau du monde. Bon, faut pas se moquer de Recoups. Ça fait quand même mal. Ah merde! Croque-mou. Combien fait de dégâts? 5. Hop, la petite bête. Ouais, non, ça c'est vrai. Ouais, mais dans l'anime, il y a plein de trucs qui sont tout à fait incohérents par rapport au jeu. 217 PX. Zut de fait. Le badge Zephyr, oui. Alors, est-ce que dans celui-là, les CT, ça s'utilise qu'une seule fois? Merci, le jeu. Coup de boue, rien à foutre. Ah, j'étais bête, j'aurais dû mettre un... Ah merde, non, 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 le rival à la... Comment? Ouf. Allô? Merci, ok. J'ai vu qu'il y avait le rival. Il tombe toujours au mauvais moment, ce con. Bah, je me demande bien qui est l'assistant. T'imagines l'assistant, il arrive, il est déchiré de partout, on sent, il s'est fait attaquer par des Pokémon sauvages en passant. J'ai un truc sur l'œuf. On peut pas faire une omelette avec. Salut. Ça fait un bail. Environ une heure. PC de... Oui. De Pokémon Snus Lettre. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut... Salut. Stocker un Pokémon. Alors on va stocker TIE Fighter. Est-ce qu'on peut renommer les boîtes? Non. Ah, j'aurais dû faire vert feuille en fait. Oui! Oh oui! Un œuf! Un œuf! Un œuf! On a découvert qu'il y avait un truc dedans, c'est fou ça! Voilà! Une autre avec des Pokémon actifs! Tu es sur ce personnage qui est bon côté! Appelle le professeur quand il aura. Quand on aura fini de couver. Bah, Sacha, une tête à claque! Bon, c'est vrai que je peux pas dire qu'il a peine tête à claque, mais... Bon, on va aller faire cette tour à la con. J'ai Croque-Mou en premier. Non, j'ai qu'est-ce que... Objet... On a dit ça à ce moment. Allez.
Une Pokéball. Défense plus. Fantominus. Yo, 3, casse. Ah merde, non, mais j'ai pas changé. Fais de la merde. Salut, une grosse léchouille entre le visage, tiens. On va se s'auto-léchouiller la tronche. Oui, c'est vraiment super efficace. Hein. Ouais, Casper, niveau 7. Oh merde. Un vilain. Vol comme le vent et le feuille. Combat. C'est quand même un seul héros qui se prend pour le centre du monde et qui ne s'entraîne jamais. Oui, ça peut être. Ouais, mais c'est parce qu'il aime les Pokémon. C'est pour ça. Fouelian, ça devrait pas me buter, ça. Allez, hop, les choux. Piedesto. Ah, je savais bien que ça paralysait. Je devrais arriver à faire monter Casper dans le deux niveaux, je crois. Est totalement paralysé, hein. Il n'est pas paralysé que à moitié, il est entièrement. Donc bah, on va garder Casper. Bah, tu vois, j'ai regardé. J'ai pas tout regardé de la première saison. Ah merde, toi, j'ai buté, il lui reste un peu. Mais j'ai regardé la deuxième, c'est le 800 avec Ondine sur le classe. Et je trouvais que c'était pas mal fait encore. Après, bah, ma foi, oui, on peut pas avoir nos Pokémon dehors en permanence. Quand on est dresseur, j'imagine, ça fait un peu beaucoup. Casper apprend dépit. Bah, c'est vrai qu'il c'est pas un héros très charismatique, hein, pour soit clair. Qu'est-ce que ça fait, Dépi? Ça n'affecte pas le feu, ok. Bon, il faudrait quand même pas que je meure comme un couillon. Ah, mais ça paralyse bien, cette petite chose-là. Ah bah voilà. Ah non. Juste pas. Et ouais. Et ouais, mec. Faut pas me chercher, moi. Je suis un fou, moi. Une statue Pokémon. Fuck. Ah, une potion. Bah, en parlant de potion, justement... Birdie, t'as bien mérité un petit boost. Birdie Casper, t'as bien mérité un petit boost. Et hop là, premier. Ah oui. De trouver la voix du Pokémon. C'est souvent un truc. Dans ces versions-là. Ouh, attention. Chitifleur Nifosis. Tu vas connaître la léchouille. Deux PV. Ouais. On va y arriver.
Ouais. Un enfant a gagné, fichtre. Mais je ne suis pas n'importe qui, mec. La cesse de l'ancien éclaire même les sombres cavernes. Allez, flash. Et je vais le mettre sur qui, cette cesse de... Shetty Fleur, allez, niveau 6, allez, c'est reparti. Ah, coup critique, très bien. Quand même que je fasse gaffe parce que, mine de rien, mon Kaiminus, il va prendre sévère s'il se bat contre. J'en ai plus plein la tête, eh ouais mec. Ancien, tu es sans conteste un bon dresseur. Comme promis, voici ta CS. Traite tes Pokémon avec plus de gentillesse. Ce ne sont pas des engins de guerre. Si, des trucs de destruction massive. Il raconte n'importe quoi, c'est une merde. Ces Pokémon puissants sont importants. Je me contrefiche des Pokémon mignons. Mais du coup, machin là, montre-moi à quel point tu fais confiance à ton Pokémon. Ok. Bart le sage. Shetiflor. Ouh, Shetiflor niveau 7. J'en ai où avec mes PV moi? 14 sur 28, c'est bien. Allez hop, une petite léchouille derrière les oreilles. De PV ça. Ouais, on agit carrément comme le rival. Ah non, allez, un PV. Non, non, on agit carrément contre le rival. Comme le rival. Le mec, il va capturer des Pokémon et il va chercher le plus fort. C'est ce qu'on fait un petit peu. Casper est monté niveau 11. Ah! Oui, je vais changer de Pokémon. Qu'est-ce que je veux faire pour prendre des niveaux? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il évolue? Migala, c'est pas... Ouais, j'ai pas... À part Casper et Croc-Moon, les autres sont des Pokémon relativement... que je vais faire évoluer Birdie parce que je sais pas si j'aurai beaucoup de Pokémon vol. Et puis ça fera un bon substitut à des Pokémon psy en fait. Oh putain, ah coup critique, putain. Meurs pas, gros! Ta confiance est totale. Alors, sac. Potionné Casper.
Une belle peinture d'un majestueux Chétiflore. Faut quand même avoir envie d'avoir un Chétiflore. La tour Chétiflore est blablabla. 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 Pourquoi j'avais pas pris Rissan? Joachim envoie Chétiflore. Niveau 7. Ah, ça va. Allez, Casper, montre que tu lances Hypnose. Niveau 7 de PV. Je me demande si je devrais pas. Ouais, non. Faire monter les autres Pokémon. Je sais pas. Je sais pas ce que je peux avoir après en fait. C'est comme... Ah, j'ai... merde, j'ai plus de PP. Oh, qu'est-ce que je fais? Ouais, mais ça va servir à rien. C'est embêtant. Ah merde, c'est embêtant ça. Ah, j'ai pas envie d'envoyer Croque-Mou, mais j'ai pas trop de choix. Ah non, j'aurais pu envoyer. Je suis con, j'aurais pu envoyer Outout. Aïe, bim. Oh putain. Ah ouais. Brief. Je vais continuer avec Fukumi. Même si c'est un peu tendu quand même. Croissance. Ah ouais, bien, merci, c'est un plaisir. Attaque spéciale, bien. Bon, tout d'un coup, tu cannes là maintenant. Paf, voilà, au revoir. Bim, niveau 15. Ce mec, il a pas une trop bonne vitesse. Est-ce que je vais changer de Pokémon? Oui. Oui, oui. On va mettre Birdie devant. Je crois que tu peux avoir des Watt-Watt. Oh putain, il est niveau 10. On va remettre Pokémon. Oui, il me semble que tu peux avoir des Watt-Watt. Mais deux jours uniquement. Si je me souviens bien. Bah écoute, pas grave, on a des attaques moins fortes, on va y arriver quand même. Ah ou... Ah ou... Voilà, ça va être... Bon, lui aussi, il charge. Allez, 2 PV. Ah non, 5, waouh. Mais les Pokémon électriques, c'est pas très grave. Parce qu'au final, il y en a d'autres qui apprennent les attaques électriques. Prends donc cette CS Flash. YOLO. Merci, Papy Mujo. Je prends tes enseignements et je bois tes paroles. Attends, parce que je crois que j'ai raté un truc. Ah. Bon, bah j'ai fait ça, il faut que j'apprenne ma putain de CD, CS, pardon, à un Pokémon, voilà, ça va de nouveau être le Pokémon de merde. Et j'imagine qu'il n'y en a pas 36 000 qui peuvent l'apprendre. Alors, c'est... Elle contient Flash, ouais.
Ah. Je pourrais garder Arachné avec Flash. Puis je... ou bien je prends Birdie avec Flash. Mais Birdie va déjà prendre vol. Je vais le mettre sur Arachné parce qu'au pire Flash, je sais pas. Je sais pas si j'en ai besoin beaucoup. Je crois pas. Oui, je vais soigner. Et c'est parti, nous allons donc attraper un nouveau Pokémon dans la grotte. Mais avant, je vais aller faire le plein de Pokéballs. Et votre saloperie. Salut toi. Bonjour mémé. Ah là là, c'est beau cette propagande amoureuse. Alors, on va acheter. Bon. Mais non. 5, ça me suffira. On va acheter également des popos. 4. J'ai plus de sous. On va acheter des antidotes. 3. Réveil, défense plus technique, plus vitesse. Lettre fleur. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Vendre. Est-ce que je peux vendre des trucs? A plus, mec. Alors, on va aller dans la grotte. Ou bien, est-ce que je vais faire un tour... Non, je vais faire des trucs dans l'ordre, sinon je sais plus qu'est-ce que je vais faire ou pas. Attention... Flash. C'est parti pour capturer un Oseraptie. Non, on n'est pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. Ou un Voltorb. Et voilà, mon Pokémon de cette grotte sera un Oseraptie. Niveau 2, putain. Bon, bah. Ouais, il m'a utilisé un Oseraptie. Ouais, je suis trop content d'avoir un Oseraptie. Bon, à part ça, Nosferalto et Nostanfer sont deux Pokémon qui sont très bons. Nostanfer est très très bon. Et puis en même temps, on est vendredi soir, les gens sortent, vont boire, dépenser leur argent. C'est Pokémon de chauve-souris. Comment je vais l'appeler? On va l'appeler Dracula. Il évolue avec le bonheur. Dracula. Enfin, il évolue avec le bonheur. J'ai trouvé une potion, trop bien. Ah mais j'ai pas... Je peux le ouais, j'ai pas... C'est quoi coup force ou je sais pas. Donc il faut que ton... Il faut qu'il prenne un niveau quand tu... quand il est au maximum de bonheur en fait. Il ne sera le tout. Casper, go. Bah du coup c'est un Pokémon normal le Rattata. Bon, je me barre, je sais pas. Et je pense que je vais prendre Nosferaptie. Et que je vais remplacer Rattata par Nosferaptie. Parce que Nosferaptie donne un meilleur Pokémon que Rattata.
C'est pas... Ah, s'il est Mika ou il meurt, donc voilà. Pardon. Mais non, c'est pas ça que je veux. Et on a dit qu'on remplaçait... Ah, mais je veux faire ça comment? Ah, comme ça. Hop. Oh putain, ça prend autant de fou. S'il meurt, enfin s'il perd en combat, c'est pas grave. Le bonheur dépend pas tellement du coup des pertes de combat. C'est clair que si à chaque combat il finit HS, là voilà, mais. Ça va assez vite de mémoire de monter. De monter le bonheur des Pokémon. Il suffit de te balader avec. Bon, donc du coup j'ai été là-bas, mais ça n'a pas marché. Et me voici maintenant, route 36. Bonjour mademoiselle. Salut gros. Route 36, donc du coup je vais essayer de capturer un simularbre. Il me faut une CS, je crois, ou un objet. Du coup ça ne me laisse pas tellement le choix. Là, les ruines machin, j'ai déjà mon truc. Du coup, je vais où là, moi? Route 32, très bien. Eh bah, du coup, nouveau Pokémon en perspective. Allez, hop. Bah, tu m'attaques pas, toi? Youpi, j'ai pas de Pokémon. Merci, mec. Attention, c'est parti. Attention, c'est reparti. Y'a de bad, gamin. Je t'ai jamais vu, toi. Pétez ta gueule. Je suis un scout, mais tu vas bouffer. Ah non, remets au gamin. Ratata! Oh, il est trop chou. Est-ce que je balance Casper? Birdie, Casper, Birdie, Casper, Birdie, Casper. Ah non, pas Casper, c'est un Pokémon type normal. Oh, et puis merde. Ah, Tata, il fait quand même mal. Voilà, merci d'être venu. Au revoir. Vrai qu'il a manqué une fois. Oui, je vais prendre l'Ocelotti. C'est un petit niveau 8. Ah non, l'énergie de Croque-Mou est aspirée. Tiens, prends-toi un coup de glyph histoire de te détendre. Voilà, ça c'est fait. Oh là là, tu es balèze. File-moi ton fric, gamin. Ah, une Pokéball. J'ai trouvé une potion.
Mais il n'y a pas de Pokémon dans ce hôtel, bon, c'est quoi cette histoire? Mademoiselle, mademoiselle. Un petit coup dans les buissons, rapide alors, je suis au téléphone. Miss Picnic. Ah, un nid de rang femelle. Ah, c'est de la merde. Il va m'empoisonner. Enfoiré de nid de rang. Il faudrait une attaque seule pour bien, je sais pas. Ça, c'est du nid de rang trompette. Hein. Griffe charge. Rugissement. Chien ne rigole plus. Hey. T'es content maintenant? File-moi ta thune. Ah mais lui il me donne je crois la canne à pêche. Oui. Les Pokémon. Frais du matin. Alors, qu'est-ce qu'il m'envoie l'œil pêcheur? Magikarp. Ah non, Tita. Tita. Boy. Bon allez, on va balancer machin. Hein. Je sais pas pourquoi je sens que je vais avoir beaucoup de citations. Ah non, une attaque au. Oh là 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 là. Petit arbre, voilà. Si je voulais, Ouais, mais c'est 5 citations, c'est déjà ça. Allez, monte de niveau, mon grand. Splash. Donne-moi ta thune. Pêché de ce matin. Mon cul, ouais. Bonjour, monsieur. Et tu m'as fait perdre mon poisson. Et ouais, gros. César pêcheur. Ah, vas-y, ça y est, c'est reparti. Ça va être très long. Alors, je vais être obligé de te répondre en français, Alex Nick, parce que mon allemand est inexistant. Et donc du coup, c'est... C'est Pokémon Gold, sorti en 2001. Et là, je fais la version Nuzlocke Challenge avec une toute petite modification du. Eh ben voilà. C'est triste, mais mes langues étrangères ne sont pas du tout bonnes. Et du coup, en direct live. Ah youpi, il transforme. Ça suffit. Ya. C'est tout à fait.
Ça va être hyper intéressant. Oh! Attends, j'ai du signe là? Il a un Magikarp niveau 15? Ah, ça rigole plus. Ça, c'est le genre de truc à se faire péter son Pokémon sans s'en rendre compte. Il m'a fait une charge quand même. Une deuxième. Et un coup critique. Faut arrêter, mon grand. Ah, j'ai quand même assez honte de passer après un Magikarp au niveau vitesse. Pile ce qu'il manquait. C'est parfait. Splash. Encore 200. Donne-moi ta thune, t'as des Magica. Bah, il évolue pas, mon Croc-Moon. Bon. J'ai une grande zone, là. La différence entre un bon et un mauvais pêcheur. Okay. Je pourrais avoir un hippotrempe hein, dans les Pokémon Pro. Voici le poissiren. Il évolue peut-être au niveau 17 ou 18 du coup. Ah non, merde, pas les ultrasons. Oh là là. Croc-Mu devient confus. Ah putain. Ah. Je peux pas prendre le risque de perdre Croc-Mu. Ben, disons que c'est un Pokémon. Avoir deux Pokémon haut qui sont pas identiques, ça sert. Croc-Mu est très axé combat physique, mais je peux avoir un haut spécial, par exemple. Mais Pic-Pic, ça fait tellement mal! Ah merde, non, mais ça sert à rien, ça. What? Ouais, ça va être difficile. Ça va être long. Ah mais non, on parle de ultrasons. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais soigner une Croc-Mu. Voilà. Puis j'espère qu'il va tenir un petit peu. Ouais, c'est une capacité vol, mais il est pas stabé par... Ah, mais va chier avec ton ultrason. Il est pas stabé par sa capa... enfin, par son statut, par son type. Allez, Croc-Mu, vas-y. Mais non, t'es de con. Putain. Ouais, on va re-soigner, machin. Mais je pensais pas qu'elle ferait signe. Merci.
Voilà, hop, fini. Bon, c'est bien, un travail d'équipe. Je m'en fous, file-moi ta thune et va-t'en. Ah, allô, maman? Salut, oui. Heureusement que... non, les capacités de type bol ne sont pas super efficaces contre le spectre. Ah non, c'est pas ça que je veux. Sac, j'ai quoi? Bon, ah ben on retourne au PC. Ah, voilà, le Pokémon de la zone sera donc un... Nasseur petit, j'en ai déjà un, merci. Oh, niveau 8. Bon, on va changer de Pokémon, on va utiliser. Non, non, Pic-Pic fait super mal sur tout le monde, hein. J'ai été étonné là. Ça fait mal sur tout le monde. Ah, mais non, mais Ultrason, ça va aller. Putain. Je crois que je vais mettre Croque-Mou devant, en fait. Non. Je vais mettre... Je vais mettre Casper devant. Et je vais soigner Casper. Et c'est un ratatat. C'est un heureux. Et du coup, je m'en fous parce que il va pas être affecté par mes attaques. Maman, j'espère vraiment que t'as acheté un objet cool, hein, parce que claquer mes thunes comme ça, c'est pas gentil, gentil. Pourquoi j'ai soigné Casper en fait, je pense. Bon, le challenge, enfin, là je joue vraiment hyper prudent. C'est vraiment. Retire l'objet. Ouais, une super potion, merci maman. Mais ouais, j'avance vraiment hyper prudemment à pas feutrer. Alors, reprenons. Le Pokémon de la zone sera un... Chétiflore. Oui. Oh, yes. Bon, faut pas que je le bute. Alors, on va l'échouiller chez Tiflora. Ah, c'est un coup critique. Bon, ben ça va. Alors, tu m'as fait un coup critique, je suis content, mais tu le butes pas. Oui, non, c'est bien de prendre son temps, oui. Mais c'est vrai que je me découvre un côté un peu parano. Histoire de... Attention, je vais éviter de... Ah non, Chétiflore. Commence pas. Hypnose. Fais dodo à Chétiflore, fais dodo.
du style GoldenEye. Et hop, un chétifleur onyx attrapé. Je m'en fous. Oui. Comme ça va pas être le mien, on va garder. On va donner un nom de merde. Tu t'es fait ni qu'est. Tu t'es fait niquer. Ah, du coup, je vais aller changer mon tu t'es fait niquer par un onyx qui portera un nom dégueulasse. Qui est-ce que je vais virer? qu'est-ce que je veux dire? Parce que Onyx, je vais le garder. Hein. Casper, Birdie, Dracula. Ah, je vais virer Arachné. Mais cette offre me fait vraiment chier. Je vais virer Arachné. Je vais mettre tout à fait Naka. C'était pas là. Mais c'est pas non plus en fait. Attends, le Mistinguette qui veut m'échanger. C'était une miss qui voulait. Ah oui, non, mais oui, je vois. Ah, c'était lui, ouais. Il est où? Tu t'es fait un hacker. Onyx! J'espère qu'il est de bon niveau. Ouais, je pense. Ouais. Je peux lui donner un petit nom. Mais. Mais. Rocky, c'est parfait. Objet. Prendre. Ah, il y avait une dame. C'est un peu ça. Par contre, ce qui fait vraiment. Ah! Putain, niveau 6, mais t'es dit. Qu'est-ce qu'il a comme capot? Charge grincement. Ah, je suis ravi. Ah, alors là, je suis aux anges. Bah, du coup, on va te foutre dedans. Tu vas encaisser les coups. C'est parfait. Bon, du coup, j'ai chopé mon Pokémon ici, je peux me balader, gamin. Allez, vas-y. Go, Rocky!
Ah, un axolotl. Ah, c'est trop bien. Rocky, casse-toi. Tu vas te faire pourrir. Qu'est-ce que je mets? Mais ils me font chier ces Pokémon qui ont pas autre chose que des attaques charges. Mimique. Surtout Hoot-Hoot quoi, je dirais il est pas fait pour attaquer physiquement Hoot-Hoot. C'est carrément la galère. Ça aussi, ça donne un très très bon Pokémon. Ouais, j'ai un point avec. Marest est un très bon Pokémon. Bon, l'avantage de Nyx, c'est qu'il va... Enfin, de Rocky, c'est qu'il va évoluer très vite. Mais non, mais bon, balancez-moi des trucs que je peux buter avec Rocky. Oh là là. Puis c'est Rocky en majuscule, hein, ça rigole pas. Rocky! Ok, mec. On se calme. Ouais, on va pas. On y va doucement, Axel. Je trouve des baies. Ouais, 33 PX. 22. Trop bien. Ah, mais non. Allez, Nosferapti. Très bien. Vampirisme, c'est une capacité insecte. Il a ultrason, il va me casser les couilles. Insecte, c'est pas fort contre Roche. Non, c'est avec quelconque. Ouais, je sens que ce Onyx va me faire chier. Oh là là. Bon, on va essayer de le tuer le plus vite possible. Je comprends pourquoi elle s'est débarrassée. Enfin, il s'est débarrassé dans le mix. Vu le niveau du bestiau. Onyx est pas très bon comme Pokémon, mais Stelix est nettement mieux. Mais j'ai de l'affection pour les Onyx. C'est ça aussi. Wow, le mec il a des jumelles, il doit arriver à 15 kills. Tu me cherches. Oui, je te cherche, oui. Allez, un petit scout. Campeur, pardon. Ah. Un Nidoran. Je laisserai... Ouais, non. Gros yeux. J'ai été intimide, mon loulou. Rien à foutre. Prends-toi une baffe, ça te calmera déjà. Non, Onyx est pas très très bon. J'ai l'affection pour le Pokémon. J'ai pas d'affection particulière pour les Pokémon de type Rush. Non, mais il faut pas donner à maman parce qu'elle achète des trucs à la con. Ah, tata. Moi, j'ai pas d'affection particulière pour le type Rush.
La plupart des Pokémon de type roche ont une grosse défense. Mais faible face à combat, plante, eau. C'est pas. C'est malheureusement pas terrible, terrible. Mais j'aime bien Onyx. Alors, je vais perdre Onyx si je fais le con. Hein. Bon, il en m'enlèvera pas 20 PV. Non, je prends Casper. Ah, j'aime bien Grelem aussi comme Pokémon, de type proche. Sinon, je. J'ai pas d'autres. Ah, j'aime bien Stalix. Tu vois, attaque 13, défense 31, attaque spéciale, défense spéciale, moisi, vitesse moisi. Donc c'est vraiment un Pokémon qui est fait pour encaisser. Une Super Bowl. Et c'est reparti. Ratata. Bon, je peux le mal faire, je pense. Un Rattata niveau 4, il doit avoir charge. Oh, coup critique, oui. Bah, Grelem, il fallait changer un Gravalanche. Donc c'était assez compliqué dans les premières versions. Si t'avais pas un copain qui jouait à Pokémon, c'est comme Alakazam, Ectoplasma et Macogneur. Toi, tu vas me chercher des noises. Viens là. J'ai trouvé des Pokémon dans les autres herbes. Donc du coup, t'as trouvé un Chétiflore, un Rattata et un Maxolot. Maxoloto. Allez, gamin. J'ai trouvé des Pokémon. Ah. Ben du coup on va sortir. Ouais, c'est trop bien. Donne-moi ton fric, gamin. Ah, il a de la thune, machin. Toi, tu lui fais carrément les poches, tu sais. Toi, t'es un cherche-merde aussi. Eh, petit, ça te dit une bonne queue. Une bonne queue ramolleuse. Non. Ok, vas-y, donne-moi ça. Monsieur, vous êtes pas gentil. Mademoiselle. Je suis Vanessa du vendredi. Salut Vanessa. Un pic venin, merci. Merci Vanessa. Dans un coin sombre de la forêt. Oh, c'est terrible. Tu vois à quel point ça peut les améliorer. Merci Vanessa. Allez, une canne à pêche, je vais pouvoir choper mon Magikarp qui deviendra le Léviator de la mort. Que dois-je donner à mon Pokémon? Peut-être un objet qui monte en attaque. Mais oui, madame. Du coup, est-ce que je revais pêcher? Parce que je peux avoir un truc dans le village du départ.
Ah, mais avec la canne, je vais choper que des Pokémon merdiques. Où est-ce qu'on est sur la map? Carte. Donc les ruines, oups. Alors, route 31, 30, non, je vais pas, ça, je suis... 32, je suis toujours dans les routes 32 en fait. Je crois. Puis, ouais, moi, je... Est-ce que je suis... Merde. Est-ce que je suis toujours à route 32? Ce badge. Ouais, j'ai battu Albert, ouais. Ouais, j'ai battu Albert. Ah oui. Un boule. Un boule. Je pense qu'on peut y aller gentiment à la coupe de charge. Ça doit aller. Ouf. Je vais l'avoir à l'usure. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est long. Wouhou, 105 pex. Prends une attaque, s'il vous plaît. C'est trop bien. Ouais, je change de Pokémon parce que c'est la merde. Casper va... Va au casse-pipe, mon gars. Ah mais non, mais je peux... ça me sert à rien, je suis bête. Ah là là, Casper, reviens. Bon, j'en ai marre, je vais utiliser machin. M'en fous, je peux te tabasser les yeux fermés. Ah bah non. Ça va régler le problème relativement vite. Oh, t'as un piaf avec. Vas-y, niveau 9. 8. Tiens, prends un coup de griffe. Ah oui. Ok, t'es fort. Bah oui, mec. Ouais, je suis fort. Caverne jumelle tout droit. Si. Pitié. Ah, merci. Alors, attention, nouveau Pokémon en perspective. Ta-ta-ta. Je sais pas si. Elle a un racaillou. Voilà, un racaillou. Racaillou apparaît. Génial. Je vais choper un racaillou. Je suis ravi. Oh, ça va être long. De toute façon, je vais pas te faire moins qu'un point de dégâts, donc tu peux y aller, mec. Il va falloir que je trouve une solution parce que là, ça va pas être faisable. Allez, Casper, en avant. Eh ouais. Une petite... Ne tue pas! Oh putain, j'ai pas fait gaffe. Oh, oui. Dork, il va me lancer un... Il va me faire une critique juste avant. Non. Bulle armure. Pokémon. Non, je fais ça, sac. Ouais, un caillou. Alors, Rakayu,
tête de l'art. C'est un bon effet. Une popo. Ouah, tu m'as fait peur. Gilbert Montagnard. Ah, c'est ça. Merci. Samy Montagnard. Qu'est-ce qu'il m'envoie, Samy Montagnard? Un Onyx. Niveau 11. Et moi, je vais avoir un Onyx niveau 9. Ça va être infinissable. Croque-mou, vas-y! Bam, one shot. Et voilà. Merci Samy Montagnard, donne-moi ta thune. Oui, tu t'es fait détruire. Je peux pêcher quoi concrètement? C'est pas ça. Avec ma canne dégueulasse. Canne, est-ce que je peux déplacer ceci? Alors, select. Non, mais il n'y a pas un truc de merde qui... Ah, voilà. Et du coup... Oh, ça mord. Et du coup, avec ça, je peux choper... un Magikarp. Hey, Magikarp niveau 10. Bah, techniquement, en fait, Magikarp, il a trempette et charge. Donc, en fait, j'ai pas besoin de changer de Pokémon, je vais lui mettre des coups de boule. Ça va être intense, en fait. Voilà. 42 points d'expérience. Monsieur du caillou? Ouais, je suis assez fort au combat. Ouais. Je pense que je peux gérer tes Pokémon Rush sans trop prendre la tête. Quoique, il faut que je fasse très attention parce que les Rakaillou et les Rakaillou, les Grolem, etc. ont quand même une sale tendance à posséder l'attaque destruction. Et ça, c'est moche. Je peux pas garder. Je peux pas garder qui ça sert à rien. Normalement, niveau 4, il ne devrait pas avoir cette attaque. Mais il faut que je fasse gaffe pour après. Ouais! Ouais! De même que les Voltorb et les Electrodes ont aussi tendance à avoir cette attaque-là. Faut que je fasse attention. Niveau 17, c'est parfait.
Ho ho ho. Ça, c'est le Père Noël. Ma mère à cailloux, tu m'intéresses pas. Je m'en fous. Oui, je suis d'accord. Oh, cracheur de feu! Smogo! Ah oui, les Smogo aussi, ils ont destruction. C'est juste. Rush contre poison, ça va bien. Bim. Deux coups critiques quand même, hein, merci. Et deux. Pas mal. Non, je vais garder recul. Tout perdu, oui, tout perdu. Une super boule. Ouais. Je me barre, je suis un grand serpent de caillou, mais je me tire. Merde. Oh, un sablette. C'est parce que tout le monde a besoin de Pokémon. Ils peuvent pas aller maraver les Pokémon adverses en crachant du feu. Mais il fait quoi mon machin? J'ai l'impression. Je suis plus du tout le. Bon, il fait des tas de boules armures, ok. Ah, mais oui, non, mais il m'obéit plus, machin, il est passé au niveau 11. Ah, mais le con. Eh, je me demandais pourquoi il. Il faisait chier. Bon, bah du coup, hop. J'aimerais bien qu'il évolue. Attacus.
C'est long, il faut que j'achète des repousses parce que ça va vraiment être chiant. Ça vaut pas la peine de m'arraver un. Là il doit y avoir des trucs là-bas. Ah 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 ah. Lui aussi il a des jumelles. Mais je suis fort, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Luigi, cracheur de feu. Oh, Goupix. Oh, je vais te maraver ta tronche, espèce de Pokémon feu. Tiens, prends un pistolet haut d'attaque. Allez, avec un Goupix. Ah, j'ai pas fait gaffe. Allez, donne-moi ta thune, cracheur de feu. Route 33. Mais j'ai pas fini là-dedans. Niveau 7, bon, ça va peine. Ah, mais il va me faire un. Il est encore temps. Réveil, très bien. Qui a pu laisser son réveil traîner ici quand même? Salut! Je parcours la Terre à la recherche de Pokémon. Quoi, toi aussi? On est collègues? Non, on est rivaux. Ok. Voilà. Reynald Pokémoniac. Allez, Reynald. Oh, molos. Oh, coup critique, le salaud. Ça va aller les coups critiques, monsieur Ramolos? C'est ça, ouais. Ouais! Ah, allez! Non, mes pauvres Pokémon! Je la sens très moyennement. CT 39. Ah bon. De toute façon, les CT, c'est des trucs que j'utilisais jamais. Parce que je savais jamais à qui donner les CT. Comme ça n'était utilisé qu'une seule fois. Rakayo, niveau 132. C'est quoi? Croque-mou, attaque, pistolet en haut. Éclabouche-lui la gueule. Bien fait, voilà, on va le laisser crever là, dans son propre sang. Ah, mais il est bien. Évolue. Bon, dans cette version-là, il est quand même très moche. Hein. Crocodile. Puis il apprend pas d'attaque. Hein. Troulant. Mais du coup, ses stats. Non, c'est ça. Ah oui, 41 d'attaque, oui. Très bien. Ouais, exactement, on dirait un membre de la famille Pirafe. C'est tout à fait ça. Route 33, donc c'est la première fois que j'y fous les pieds. C'est donc parti. Toi, tu
On sent que tu cherches les embrouilles, toi. Ouais, je crois. J'ai les chats qui se battent dans le bureau, c'est pas très agréable. Allez, le montagnard, c'est parti, Mario. Mario, on va voir Caillou. Quel niveau? 11. J'ai vraiment peur du... Il est pas très beau, hein. J'ai vraiment très 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 peur du destruction. Machoc, est-ce que j'ai un machin qui fait des attaques psy quelque part? Non. Par contre... Non, je vais garder Goku. Machoc doit pas avoir une défense... Ah non, mais c'est du physique. Non, je vais garder ça. Balayage, oh non! Putain, j'ai peur. Eh ouais mec, j'ai la pêche moi. Team Rocket à la con. C'est quoi cette grotte? Puis Ramos. Mmh. 400 ans de sécheresse. Donc du coup me voici à... Ouais mais il le vend cher. C'est pas que ce que je voulais faire. Ok. Quelle heure est-il? 23h20. Je pense que nous allons nous arrêter là. Nous sommes arrivés donc dans cette petite ville bien sympathique. Tout à fait, monde. Ouais, 20 Pokémon par boîte. Trop bien. J'en aurais jamais autant. Hop. Une petite sauvegarde, 3h13 de jeu. Je pense qu'on est pas mal du tout là. Voilà. Voilà, et eh bien, merci Tandar pour avoir été mon viewer de la soirée. J'espère que cette partie de Pokémon t'a plu, je compte bien continuer, hein, quand même, faut pas déconner. Mais du coup, pour ce soir, je vais arrêter là. Je te souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit, et je ne sais pas quand je vais streamer, peut-être dimanche soir. Demain soir, je vais pas streamer, peut-être dimanche soir, ça dépend. Voilà. Une toute bonne nuit, des bisous, fais attention à toi, et à tout bientôt.